passent mes nuits. Tivoli, 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 chez toi les femmes sont si jolies. Tivoli, 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 comment ne pas faire de folie. Tivoli, 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 chez toi la musique est si jolie. Faire des folies. C'est dans un solo très langoureux qu'on s'est rencontrés tous les deux. Aïe, 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 aïe. Et ce tango très argentin qu'on a dansé main dans la main. Aïe, 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 aïe. Tivoli dans ta discothèque, comment ne pas perdre la tête. Aïe, 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 aïe. Dans un passo olé olé, j'ai senti mon cœur s'emballer. Aïe, 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 aïe. J'aime tes cha-cha, tes mambo, toutes tes musiques rétro. Aïe, 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 aïe. Tivoli dans ta discothèque, comment ne pas perdre la tête.
Je crois que Maurice Marzani, ce musicien, va nous jouer une excellente solide passe d'homme.
les musiciens sont tous sur la scène, je vais d'abord vous les présenter. C'est monsieur Alain Cornet, pianiste-chanteur. À la trompette, c'est monsieur Hugues Lamaga. Richard Delpino, chanteur trompette. À ma gauche, Jérôme Marziani. Alberto Battista, la batterie. Maurice Marziani à l'accordéon. Et le guitariste Gérard Tendero. Alors mes premiers mots, évidemment, sont pour vous remercier tous d'être venus ce soir. Je suis un peu émotionné, c'est normal. Ce soir, ce sont que des amis qui sont venus. Que des amis. Il y a des gens qui sont venus de Bordeaux. Comme mon ami Rocky Tenno, le chanteur, avec toute son équipe. Il y a des gens qui sont venus de Toulouse ce soir. Il y a des gens qui sont venus de Bergerac. Et puis de partout, quoi. Ce sont tous des amis, tous des clients du Dancing Tivoli. Je ne sais comment vous remercier. Ça me fait tellement plaisir. C'est une soirée particulièrement réussie avec un orchestre excellent. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Une historique de mon parcours musical. D'abord, je suis né de famille musicienne. Mon grand-père était violoniste, mon père était violoniste, et moi, j'ai opté pour le saxophone. Je suis rentré au conservatoire de Toulouse à 18 ans. Là, j'ai rencontré Manolo Hernandez, c'était un orchestre de grand talent. Les rendez-vous des musiciens à Toulouse, c'était à la brasserie du clocher de Rodez. J'ai rencontré Manolo Hernandez, qui avait une saison au casino de Soulac-sur-Mer. Il m'a dit, si tu veux Michel, après m'avoir entendu jouer, je t'embauche avec moi. Il m'a dit, mais seulement on ne peut pas te payer, parce qu'on a un contrat avec 5 musiciens, et toi tu fais le 6e. J'ai dit, ça fait rien, je viens jouer. Et c'est comme ça que j'ai appris surtout le métier en contact de musiciens professionnels. Ensuite, au Conservatoire de Toulouse, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre Perret, qui est devenu mon ami. Pierre Perret était à la classe de saxophone, comme moi. On est devenus des amis inséparables. On se téléphone souvent. Pierre Perret est déjà venu au Dancing Tivoli. Mais bon, maintenant, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, car il a beaucoup d'occupations. Donc j'ai créé, à la sortie de mon conservatoire, en 1952, j'ai créé mon orchestre en 1953. Et à l'époque, j'avais un chanteur qui chantait les tangos argentins, les célèbres boléros, c'est M. Luis Casares. Je voudrais qu'il vienne me trouver. Bien, Luis. Luis Casares a apporté beaucoup de succès à mon orchestre. Voilà, il est là. Il vient tous les samedis, tous les dimanches. Et ce qui est encore surprenant, c'est qu'il a 89 ans. Merci. Ensuite, avec mon orchestre, j'ai participé à beaucoup de galas, car à l'époque, c'était la mode des danses, des soirées interdanses retransmises sur France Inter. Ensuite, alors là, j'ai rencontré Suzy, mon épouse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Suzy, mon épouse,
a travaillé 10 ans au Milland avec Joséphine Baker. Elle fut sa secrétaire. Elle fut sa secrétaire. Et moi, lorsque je faisais mes week-ends d'orchestre, je la rejoignais au Milland. Ah, évidemment. Et cela m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes qui venaient voir Joséphine. Pour mon mariage en 1962, Joséphine Baker devait venir à notre mariage, mais elle a eu un contrat urgent au Mexique, elle n'a pu donc venir. Ensuite, mon orchestre a beaucoup évolué, c'est-à-dire la mode a changé, c'était un orchestre de variété. Donc, je me bouge parce que je vous présente deux ou trois musiciens qui sont venus ce soir, mes anciens musiciens qui sont là. Tout à l'heure, vous avez entendu Jackie Colombier. Oui, il est Jackie. Ah, voilà Jackie Colombier. C'était mon pianiste. Merveilleux, Jackie. Il y avait François Gassadello. Oui, il est François. François Gassadello. Oui, il est. Je ne sais pas où il est. Il est là. François Gassadello, mon trompettiste. Vous savez, François, il avait chaviré des cœurs avec sa trompette. Quel succès il avait avec sa trompette, François Gassadello. Il est venu ce soir, merci. Il y en a d'autres, non, non. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y avait Christian Marelenki, mon batteur, qui est actuellement en Corse. Il y avait Jackie Mascarel, le Villeneuvois très connu, qui, lorsqu'il a quitté mon orchestre, a été accompagnateur de Laurent Voulzy, accompagnateur de Jean-Jacques Goldman. Enfin, vous voyez les références de ce garçon. Villeneuvois, Jackie Mascarel. Ensuite, je suis resté 35 ans professeur de saxophone à l'école de musique de Villeneuve. Ce qui m'a valu d'être décoré des palmes académiques. Bravo. Monsieur de Tercaré, à l'époque, qui était maire de Saint-Livrade, m'a donc remis cette décoration. Également, il m'a remis la médaille de la ville de Saint-Livrade. Bon, dans ma famille, comme je vous ai déjà dit, il y a toujours eu des musiciens. Ma fille Aline, qui a fait des études longues, n'a pu poursuivre ses études de piano. Mais mon fils Laurent, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un passionné de jazz, saxophoniste, médaille d'or du Conservatoire de Toulouse. Bravo, bravo, bravo. Et sa compagne, la merveilleuse chanteur Laurie Battista. Voilà, maintenant, je vous dis encore tous merci. Vous ne savez pas combien je suis heureux ce soir. Continuez à danser avec Jérôme et Maurice Marziani. Bonne fin de soirée. Ah, j'ai oublié de vous dire. Un peu plus tard, je vais jouer avec l'orchestre. Bonne fin de soirée. Sur la scène. Est-ce que vous pouvez le montrer? Vous pouvez le montrer? Il faut savoir que c'est une caricature qui a été dessinée par mon cousin Eric. Thank you.
Michel Claverie. Pour Suzy, pour Suzy. Au clavier, un ancien compagnon de Michel Claverie dans le grand orchestre de Michel Claverie, Jacques Colombier au clavier. Wow.